Salut tout le monde et bienvenue sur PA Dodo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va changer par rapport à d'habitude. Donc je tenais à vous faire une petite explication en facecam. Donc voilà, ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on a lancé un projet paranormal. On va vous en parler plus dans les prochaines vidéos. On va faire des vidéos qui vont être dédiées à ça. Et on est sur un grand projet, ce qui a fait qu'on était beaucoup moins actifs ces derniers temps. Sur YouTube, vous avez bien pu le voir, ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner pour ne rater de la suite. Parce qu'il n'y aura pas que du paranormal, on va partir un petit peu dans tous les sens, vous allez voir, ça va être sympa. Et donc voilà, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le paranormal du coup. Et donc on a fait une petite introduction d'une enquête qu'on a fait, c'est pas simplement une enquête, c'est tout simplement plusieurs enquêtes condensées en une seule enquête. Donc c'est à peu près une exclue plus ou moins, comme on peut voir sur YouTube. Et voilà, on est allé plusieurs fois sur le même lieu, on a fait plusieurs enquêtes, petite intro, débrief, tout ça. On a fait les choses bien, le montage est presque fini. On part sur une vidéo d'environ 40 minutes. Donc voilà, je vous laisse apprécier le petit teaser, donc c'est l'introduction plus ou moins, c'est le teaser de cette enquête. N'hésitez pas à nous donner des retours et n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre deuxième chaîne qui s'appelle Tracker d'Esprit. C'est officiel, on vient de la lancer. C'est une chaîne qui va être dédiée au paranormal. Ce n'est pas une chaîne paranormale comme les autres, on a envie d'en faire la chaîne paranormale française. Il n'y aura pas que des enquêtes, on a beaucoup de projets. Vous allez voir, ça va être un boulot de fou, mais on va s'en sortir. Sur ce, bon visionnage et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas et nous dire ce que vous en pensez. Salut tout le monde. Dans cette enquête, nous nous sommes rendus dans un hôtel qui nous a réservé bien des surprises. Des pratiques occultes y ont été effectuées, laissant des traces sur tout l'ensemble du bâtiment. La nature reprend doucement ses droits sur ce lieu qui cache bien des secrets. Nous avons donc décidé de vérifier toutes ces légendes par nous-mêmes.